Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, c'est vrai, mais entre le boulot, les travaux et l'arrivée de bébé depuis quelques mois, c'est vrai que j'ai plus une minute à moi. Là, j'ai trouvé un peu de temps pour vous sortir enfin une vidéo. Donc, ce sera sur la fabrication de cette commode que j'ai fait pour la chambre de ma fille. Alors, avant de vous présenter les étapes de fabrication, je vais déjà vous présenter le meuble un peu plus en détail. Donc là, on est sur une commode de 8 tiroirs, tout en pin, avec son plateau ici pour disposer le matelas de change. Donc ça, c'est totalement amovible, c'est autoportant. Donc quand il n'y aura plus besoin de changer les couches, on pourra l'enlever et repousser la commode contre le mur parce qu'elle est un petit peu décalée d'environ cette distance. 8 tiroirs avec une assez grande capacité, avec un petit système qui permet au tiroir de ne pas tourner si jamais l'enfant aurait envie d'essayer. Donc la seule façon en fait de sortir le tiroir, je vais vous montrer par exemple ici, c'est de lever et de le sortir. Vous voyez, c'est tout simplement un écrou et une vis de chaque côté. Pareil ici, juste en dessous des glissières. Donc pour le rentrer, il faut l'incliner totalement et rentrer le tiroir. Et ça ne peut plus sortir, vous voyez, tout simplement. Alors dans un premier temps, on va commencer par la fabrication du caisson. Donc il y aura le débit du bois, le lamellage des différentes parties à assembler, un premier assemblage à blanc qui va me servir pour pouvoir faire la feuillure à l'arrière du meuble. On pourra passer à l'assemblage définitif et au collage pour terminer par la fabrication des coulisses en bois et de la pose. Ensuite, on va voir ensemble la fabrication des tiroirs. Donc on va débiter le bois, le lameller, l'assembler. On va faire des feuillures sur le dessous pour accueillir le fond. On va également faire une petite finition quart de rond sur les façades, etc. Tu vas voir un petit peu.
Et voilà, donc on va achever l'ensemble avec la découpe et la pose des plinthes, également la découpe et la pose du fond de meuble, et on terminera par la finition et la pose des poignées. Donc c'est la même finition que lisse, c'est toujours le vinaigre de vin et la laine d'acier. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir juste après. Et voilà, donc j'espère que cette petite fabrication vous aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude et surtout à vous abonner pour ne rien rater. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !